Bonjour jeunes gens, je suis Monsieur Fall. Mon métier est toujours un peu étonnant. Je suis responsable d'un site internet dont le propos est le jeu de société. Peu de gens le savent, il sort à peu près 1500 nouveautés par an en jeu de société. Pas jeux vidéo, jeux de société. Et mon travail, c'est de jouer à des jeux de société et d'expliquer aux gens comment ils fonctionnent. Voilà. Alors souvent, puisqu'il est ici question de passion, les gens me disent « tu fais un métier autour de ta passion, c'est génial ». Et c'est là que je coupe tous les élans, y compris de ceux qui sont venus me poser la question aujourd'hui. En fait, je ne suis pas vraiment passionné de jeux de société. Vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. En fait, ce qui m'intéresse dans le jeu de société, c'est surtout la partie société, c'est être avec des gens. Et je pratique beaucoup de choses avec élan, avec plaisir, bonheur, pour surtout et avant tout être avec des gens. C'est pour ça que j'ai trouvé dans le jeu de société un outil pour me retrouver autour d'une table avec des gens. Je joue à peu près à tout ce qui se présente. Alors mon cerveau est prévu pour des choses un peu plus particulières et spéciales, parce que le jeu c'est comme la littérature et le cinéma, il y en a pour tout le monde. Moi j'ai un cerveau qui aime les jeux compliqués, avec des cubes en bois, des ressources dans la gestion. Mais je peux jouer à n'importe quoi si les gens autour de la table me font passer un bon moment, s'ils sont intéressants, si on peut se marrer, discuter, voilà. Alors, évidemment que je fréquente en permanence des gens pour qui le jeu de société est une réelle passion. Alors pourquoi je dis que pour moi c'est pas une passion? Et ça va être intéressant pour l'analyse de ce que je fais aussi à côté, parce que j'ai cru comprendre que vous allez vous intéresser à tout ce que je fais à droite et à gauche. Je trouve que le mot passion est un peu galvaudé, un peu... On va dire, la passion, c'est monomaniaque. En général, un passionné, il aime une chose à fond. La passion, pour moi, c'est une perte de contrôle. On tue par passion. Voilà, souvent, l'amour, c'est la passion, et on va assassiner, on va... Et moi, je ne vais pas jusqu'à ça, parce que j'essaye d'avoir un maximum de contrôle sur tout ce que je fais. Par contre, effectivement, dès que je fais quelque chose, je le fais à fond. Et de la même manière que je pratique le jeu de société, je fais aussi de la bicyclette. Voilà. Parce que j'ai besoin... Alors, le jeu de société, c'est pour le cerveau, c'est de la réflexion, mais mon corps a aussi besoin d'activité. Et je fais de la bicyclette et au milieu des gens que je fréquente, quand je parle de la bicyclette, j'ai le même pétillement dans les yeux, je parle de la même manière de ce que je fais, parce que là aussi, je fais du vélo à fond, j'en fais beaucoup, par exemple, pour donner une petite idée, par an, je fais à peu près 12 000 km, donc c'est pas mal à vélo, et quand je me suis mis dans le groupe de vélo, c'était pour d'abord faire du sport, mais parler avec des gens qui font du vélo, ça me permet de rencontrer des gens, d'avoir des sujets de conversation, d'avoir des avis, des visions du monde différentes, mais je le fais évidemment avec passion. Et quand je parle de vélo, les gens me disent « Waouh, t'es passionné de vélo !» Et je leur dis la même chose. En fait, non, je suis pas passionné de vélo, je fais le vélo à fond. J'ai une autre activité, qui là aussi, on me dit « Tu le fais avec passion », surtout les gens qui me voient jouer. Je fais de la musique, je fais de la batterie. Et là aussi, je fais ça de manière totalement autodidacte. Hein, le vélo, le jeu de société, tout ça, je l'ai fait de manière autodidacte. Je le fais le plus mieux possible que je peux. Et je le verbalisais il n'y a pas longtemps en expliquant que... En fait, l'air de rien, là aussi, on peut voir où est ma vraie passion, finalement. Parce qu'en verbalisant tout ça, je me dis qu'en fait, j'en ai une de passion, c'est vivre. Vivre pleinement, à fond, profiter du maximum de temps que j'ai disponible devant moi et de faire le maximum de choses qui m'intéressent avec ce lien qu'on peut retrouver dans toutes mes activités. Ce sont les gens, en fait. En fait, je crois que ce qui m'intéresse et ce qui me passionne, c'est vivre et vivre avec des gens et échanger des points de vue, des visions. Quel que soit le support, alors là, avec le grand âge que j'ai déjà pratiqué plein de choses, j'ai eu pas mal de vie, j'ai fait du théâtre, je l'ai fait avec, là aussi on pourrait dire à l'époque avec passion, mais c'était pour la même raison, j'ai rencontré des gens et je change de secteur et d'activité régulièrement et il n'est pas exclu que dans les années qui viennent, je fasse d'autres choses, j'ai plein de choses qui me titillent, qui m'attirent et je crois que là encore, des gens me diront, tu le fais avec passion, c'est un truc, je dirais non, je le fais le mieux que je peux avec... cette petite recherche de plaisir et de contact avec les autres. Est-ce que t'as tes 4 minutes? C'est bon? Non, c'est parfait. C'est parfait parce que t'as très bien pris... Ça te va? Pile. Bon,